La reprise des combats entre FARDC, entre les forces armées gouvernementales et le groupe armé local a provoqué des déplacements massifs dans la région de Geti. On parle à l'heure actuelle de 20 à 30 000 déplacés sur différents sites aux alentours de Geti. Les besoins humanitaires sont évidents et comme d'habitude dans ce genre de situation de déplacement. Des besoins en soins, en médicaments, en nourriture, en abri, puisqu'on est aussi avec des pluies assez violentes. Le principal problème, c'est le volume de consultations quotidiens. On tombe sur les mêmes pathologies qui sont le paludisme, les diarrhées, les fièvres, les infections respiratoires. Mais par contre, le volume a doublé, voire triplé en termes de valeur absolue. Donc on se retrouve avec des centres de santé qui consultent 300-400 personnes par jour. Et on s'inquiète de la suite des événements parce que ce volume ne peut que croître à situation égale. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la réponse humanitaire est enclenchée, mais pas suffisante, on va dire. Et on aura sûrement du mal en tant qu'MSF à assumer tout seul une réponse aussi massive, aussi volumineuse.